Bonjour les amis, j'aimerais bien vous lire l'histoire aujourd'hui de comment capturer un farfadet de Adam Wallace. J'ai entendu que vous avez fait vos propres pièges pour attraper les farfadets. Allons voir ce que les enfants font ici. Dans la nuit noire, rien ne trouble le silence. C'est bientôt la fête des Irlandais. Un bonhomme tout vêtu de vert s'avance. Méfie-toi, c'est un farfadet. Je volerai le lacet de tes souliers. Je te saupoudrai de brillants. Fais attention de ne pas trébucher sur les pièces d'or que je répands. Jamais tu ne m'attraperas. Je mettrai tout à l'envers, tout sens dessus-dessous. Tu verras, je peindrai la cuvette en vert. Ça n'a pas l'air bien. Première maison, me voilà! Ton piège est un peu trop gros. Te moquerais-tu de moi? Je ressors au grand galop. Une boîte à souliers au bout d'un bâton? Cette fois, mon ami, tu t'es surpassé. Non, je ne mordrai pas à la leçon et je danserai la gigue avant de m'échapper. Une autre maison. Tiens donc tes chaussures. Tu m'as laissé des noix, c'est gentil. Je les mangerai toutes, je t'assure. Puis je m'en irai. Au revoir et merci. Du thé de pissenlit! Quelle vision agréable! Mais je suis bien trop rapide. Vois-tu, je suis imbattable. Et je vais repartir comme un bolide. Tu convoites mon trésor, je sais. Quelle bonne idée cette cage de fer! Mais je ne tomberai pas dans tes filets. N'oublie pas que je suis bicentenaire. Je pense que ça veut dire pas mal vieux, ça. Ha 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 ha! Ton piège est très raffiné et ton accueil plutôt charmant. Mais je disparaîtrai sans tarder comme un danseur très élégant. Je parie que c'est un ingénieur qui a inventé ce bidule. Je l'évite et sors à toute vapeur. Tu vois, je ne suis pas si nul. Tu es vraiment un petit futé. Il y a des pièges jusqu'au plafond. Mais rien ne peut me décourager. Je vais explorer toute ta maison. Lieu totalement sécuritaire pour les farfadets. Je crois qu'il y a des pièges partout ici. Ton énorme robot anti-farfadet n'a pas réussi à me capturer. Il m'a donné la chair de poule, c'est vrai, mais sans trèfle à quatre feuilles, c'est raté. Un farfadet est trop agile. Tu ne l'attraperas jamais. À moins qu'un garçon ou une fille m'invente un jour le piège parfait. Seras-tu cet enfant malin? Est-ce que c'est toi qui vas capturer un farfadet? Qui réussira l'an prochain? Merci les amis, j'espère que vous avez bien aimé votre histoire et bonne chance avec vos pièges.